Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie de mon haul Shein du mois d'octobre. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous annonçais plusieurs choses dans cette vidéo parce que ça faisait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir pour que vous teniez un petit peu informé des choses. Et donc c'est parti, dans cette vidéo je vous montrerai des choses pour la maison que j'ai commandées. C'est trop trop beau, je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais commencer avec les vases que j'ai commandés parce que je les ai déjà mis. Et aussi des fausses plantes artificielles. Donc pour commencer, j'ai pris ce vase en porcelaine. Il est trop trop beau, vraiment super beau, très élégant. Je l'ai beaucoup vu sur Pinterest et en fait je me suis inspirée d'une photo Pinterest pour faire mon entrée et c'est exactement pareil, donc vraiment j'adore. Ensuite vous avez ces plantes là qu'on voit un petit peu partout, donc c'est un pack de 100 et voilà, c'est vraiment super beau, ça rend super bien, vraiment j'adore, c'est vraiment trop beau. C'est super élégant, ça fait classe, vous voyez, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un autre vase, je vous l'avais déjà présenté parce que ma soeur l'a pris, ma mère l'a pris, et donc je l'ai pris également, c'est celui-ci, pareil, il est en porcelaine, il me semble que c'est comme ça qu'on dit, c'est de la porcelaine. Il est trop beau, vraiment, je l'ai déjà mis chez moi, et c'est vraiment trop trop beau. Attendez, je vais enlever comme ça. En fait, il est composé de deux vases comme ça, donc vous les mettez soit l'un devant l'autre, soit vous le mettez comme ça. Vous mettez vraiment comme vous voulez et vraiment j'adore comment ça rentre chez moi. Et j'ai également pris ces plantes là, les blanches elles viennent du premier bouquet. Et ça c'était ensemble, il me semble qu'il y en avait trois, enfin il y avait trois petits bouquets avec plusieurs branches. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça et j'adore, vraiment j'aime trop. C'est trop trop beau, donc je vais essayer de me mettre là sans rayer ma table. Hop. Et ensuite, également pris... Attendez, ça sur Shein. Donc en fait c'était juste une branche comme ça avec trois feuilles, voilà. Et ça aussi sur Shein. Et ça, si vous voulez voir, ça sera dans mon prochain appartement tour. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, vraiment, c'est trop trop beau cette déco là. Vraiment, je suis trop trop fan et je suis impatiente de vous montrer mon nouvel appartement. Oui, j'avoue, je vous spoil un peu, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous spoil un petit peu mes vlogs. Parce qu'il va y avoir une petite série de vlogs et vous saurez tout là-dedans. Tout ce qui s'est passé, de pourquoi j'avais plus d'appartement pendant plus de 4 mois, enfin bref. Voilà. J'ai pris un panier qui est magnifique, mais vraiment magnifique. Regardez-moi ce panier, à quel point il est trop beau. Je vais essayer de m'éloigner pour... voilà. Il est juste magnifique. Je pensais qu'il allait être, vous voyez, un panier qui va se plier. Pas du tout. Il est super, super dur en fait. Je pense qu'il y a de la... Comment on appelle ça? Un truc dur là-dedans. Du fer, vous voyez? Vraiment, il est magnifique. Et en fait, je l'ai pris pour le mettre dans mon salon, pour mettre les plaids dedans. Et ça rend super bien. Je suis trop trop fan. C'est un petit peu les couleurs de ma déco. Et en fait, je m'étais dit que j'allais prendre un deuxième. Juste attendez, parce que j'ai mis plein de choses là-dedans. En fait, j'ai pris un deuxième parce que je me suis dit, soit l'un, soit l'autre, je mets pour les plaids. Et le deuxième, je mets dans la chambre pour mettre les coussins de mon lit, pour pas les mettre par terre. En fait, je les mets dans le petit panier. Mais celui-là, il me semble qu'il est à peine petit. Celui-là, ça va vraiment bien pour les plaids. Et le deuxième, je vous montre. Celui-là, il est beaucoup plus grand. C'est celui-ci. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour le linge sale ou des choses comme ça, vous voyez. Moi non, c'est vraiment pour mettre les coussins dedans. Enfin, voilà. Et il est vraiment pareil, très très quali. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est épais en fait. J'adore, je vous jure, cette commande, je l'aime trop. Je l'aime trop 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 et j'aime bien cette bicolarité du panier. Et vraiment, il est grand. Celui-là, je crois, il faisait 50. Non, toujours 40 peut-être. Et là, comme ça, 60. Je ne sais plus. Encore une fois, vous avez tout en barre d'infos pour les tailles, les dimensions et tout. Donc après ça, je vais le mettre. J'avais trop envie de le laver, mais est-ce qu'il passe à la machine, lui? Je sais pas. Et en plus, il est super épais. C'est juste que j'aime tout, absolument tout laver dès que je reçois une commande, que j'achète en magasin, peu importe. Je lave tout. Donc, en fait, non, il a pas d'odeur. Donc bon, ça va. Donc je vais mettre ça à côté de mon lit pour pouvoir commencer à l'utiliser. Donc voilà pour ce panier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, cette vidéo va être ultra méga courte. Donc qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ça.
C'est pour nettoyer le sol. En fait, c'est ma soeur qui en avait eu un et je l'ai piqué pour nettoyer chez moi. Et je lui ai dit que j'allais lui en commander un tout neuf et que je lui donnerai le neuf. Je suis gentille comme ça, hein, parce que vraiment, le sien, je l'ai utilisé deux fois, quoi. Et en fait, oh là là, dans la première vidéo, je vous disais que je me suis cassé un ongle juste avant cette vidéo. Regardez, non mais c'est pas une blague, hein. Mon ongle n'est pas tombé parce qu'en fait, il est toujours accroché à ma chair. Ça fait vraiment très mal. Donc, il faut que je fasse attention. Tout à l'heure, j'ai le doigt en l'air. Donc là, en fait, vous avez la tige. Donc, pour la mettre, en fait, je ne l'ai même pas défait parce que je me suis dit, je vais le donner à ma soeur. Ça va être plus pratique pour le transporter. Le seul petit bémol de cette tige, c'est qu'elle est un petit peu courte. Et moi, c'est vrai que comme je suis assez grande de taille, ça me dérange un petit peu. J'aime pas trop me baisser. Même pour le balai, j'ai pris un grand balai. Pourtant, j'ai Brigitte. Vous connaissez Brigitte ? Dites-moi ceux qui connaissent Brigitte, s'il vous plaît, avant que je vous dise qui c'est Brigitte. Donc, si vous connaissez Brigitte, c'est que vous êtes là depuis vraiment longtemps. Brigitte, c'est mon robot aspirateur. Donc, c'est Brigitte qui nettoie la maison. Mais de temps en temps, j'ai besoin de passer le balai. J'ai pris un balai avec une longue tige, vraiment. Donc, voilà. Mais pareil, pour nettoyer le sol, c'est toujours Brigitte qui le fait. Mais de temps en temps, c'est moi qui le fais. Si, par exemple, j'ai beaucoup de monde qui est passé à la maison, etc. Donc, voilà. Donc, vous avez cette tige-là. Et là, vous avez deux côtés, donc un côté pour mettre la serpillière, pour la mouiller, donc ça sera ici, et un côté pour l'essorer. Et à l'intérieur, je vous montre, j'enlève ça. Vous avez le petit, ce truc là pour nettoyer, et vous avez deux lingettes comme ça là. Vous voyez, je vous en donne une en plus. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, comme ma sœur et moi avons ça pour nettoyer, j'ai commandé un pack de 10. Comme ça, on en prend 5 chacune. Et il y en a 10. Oui, il y en a 10. Et il me semble que c'est 3 euros les 10, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est cool. Et au moins, voilà, vous avez pour un bon moment. Ma sœur aussi a une Brigitte, hein, mais elle aussi, vu qu'elle a ses enfants, de temps en temps, elle aussi, elle nettoie avec ça. Donc voilà pour ça aussi. Je suis toujours pour aller avec ma déco. D'ailleurs, pourquoi t'es tombée toi? Elle ne veut pas tenir en place. Pour aller avec ma déco, j'ai pris des sets de table. C'est comme ça qu'on dit? Des sets de table, c'est vendu par 6. Et je les ai pris comme ça, en doré. Maintenant, il ne me manque plus que la vaisselle. Hein. Je pense que je vais commander de la vaisselle. Non, il faut que j'arrête, j'ai pas de place. J'ai déjà suffisamment de vaisselle. D'ailleurs, pendant mon déménagement, pour ceux qui savent, mais toute ma vaisselle n'était pas avec moi, elle était dans un box. Il y a plein de choses qui sont cassées, mais tant mieux parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour que je mette tout. Et sinon, donc voilà, j'ai pris ce pack de 6 et vraiment, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau avec la table que j'ai, c'est une pépite magnifique. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, donc je vous disais que je vais faire des vlogs et que la dernière vidéo après ces vlogs, ça sera mon appartement tour. J'ai changé pas mal de choses. La seule chose, je crois, qui reste encore, c'est ce canapé avec la table basse. Sinon, le reste, quasi tout a changé, en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer parce que je suis trop, trop contente. Et donc voilà, c'est vraiment magnifique. Attendez, je vous en montre une. C'est comme ça. Et c'est vraiment super beau. Aïe. J'ai voulu prendre ça et j'ai passé mon ongle en dessous. J'ai vraiment trop mal. Je sais même pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire parce que je peux même pas le limer, je peux absolument rien faire là. C'est horrible. Bref. Donc la dernière chose que j'ai pour la maison, il me semble que c'est tout. Je regarde parce qu'en fait, ah non, si, il y a autre chose, mais je vous montrerai après. Donc j'ai commandé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour poser la machine à café par-dessus et ensuite là vous tirez et ce sont les capsules. Attendez, j'essaye. Hop. Et là vous mettez les capsules dedans. Vous voyez? Alors, personnellement, je ne boite pas de café, mais j'ai une machine à café parce que chez moi, les gens qui viennent chez moi, enfin voilà, mes invités boivent du café. Donc, c'est toujours bien d'avoir une machine à café. Et donc, il fallait que je la pose bien quelque part avec le sucre ici. Donc voilà, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que ça fait propre. Voilà. Ensuite, la dernière chose que j'ai commandée pour la maison, ce sont des rideaux. Donc là, je les ai installés aujourd'hui. Ils y sont posés, donc je vais aller vous faire un focus dessus. Mais les rideaux, ils sont trop beaux. J'ai pris 6 panneaux. J'en ai mis 4 dans le salon et 2 dans la chambre.
En fait, j'ai les volets qui descendent, donc c'est très bien pour faire nuit. J'ai pas besoin de rideaux beaucoup plus foncés. Ça, c'est vraiment juste pour pas qu'on me voit dans la maison. Voilà quoi, qu'on voit pas juste les vitres. Et là, ça rend vraiment super bien. La qualité, elle est top. C'est pas trop foncé. Enfin, c'est pas très épais. C'est assez léger. Je les ai lavés ce matin et ils ont séché vraiment même pas une heure. Je les ai mis un petit peu mouillés tout à l'heure quand je les ai fixés, mais c'est pas très grave. Ça a séché en fait pour que ça puisse rester bien droit. Et même la couleur, enfin tout, c'est trop beau. Vraiment, j'aime trop. Ça va parfaitement avec la déco de mon appart. Donc, je vous ferai un focus et je vous l'intégrerai là-dedans. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le style de déco que vous avez fait chez vous, qu'est-ce que vous avez aimé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!